Thank you.
Voilà, et ben il est 15h. C'est notre premier live de 2023 pour Cards and Coding. Ben voilà, le temps passe vite et on est déjà en février. Bon, alors je check si tout fonctionne bien de mon côté. Ok, ça a l'air bon. Ouais, super. Alors, le programme. L'idée de départ. Alors, comme à chaque fois, on sait souvent quelle est l'idée de départ. Ben, on ne sait pas trop où ça va aller. Du moins, dans le live. Après, je poursuivrai certainement cette petite idée, ce petit projet pour l'ajouter à Cards and Coding. Alors, en quelques mots, rapidement, ces derniers prompts que j'ai fait avec Midjourney, qui a réalisé. Cette image que vous avez sous les yeux, c'était l'idée qu'avec Cards and Coding, on réalise des cartes numériques, avec quelques extensions, mais c'est quand même principalement lié à une collection de cartes numériques, et puis ces interactions qui vont avec. Là, c'était de travailler avec l'intelligence artificielle, donc Midjourney, pour fabriquer des petits éléments de jeu qui accompagnent les cartes. Alors, éléments de jeu, c'est quoi? C'est des dés, des petites pièces, des pions, voilà, des petits éléments. Mais je ne savais pas trop comment organiser tout ça graphiquement, et voilà. Et après plusieurs tests de prompts, d'images avec DALL-E et autres, qui n'étaient pas très convaincants, celle que j'ai retenue, donc c'est celle-ci que vous avez sous les yeux, et que je trouve assez intéressante pour plusieurs points. C'est le premier. C'est que les cartes qui sont faites en images sont quand même bien plus intéressantes que toutes les itérations avant que j'avais eues. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que c'est une des meilleures images que j'ai réussi à avoir au niveau des objets qui accompagnent les cartes. Donc, dans cette vue un peu éclatée, vue de haut, voilà, comme si les éléments étaient bien rangés les uns à côté des autres. D'où l'idée de tapis de jeu, enfin en tout cas d'avoir un élément comme ça qui est un peu en éclaté. Voilà. Donc, tous les éléments sont les uns à côté des autres. Et ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que ça a amené aussi l'idée que ça soit finalement une sorte de boîte de jeu dont la règle est un peu obscure quand on voit juste l'image. Et justement, la bascule. Après cette image, en me disant tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, bah, c'est d'essayer de travailler ces éléments qui sont dans l'image pour en faire une version interactive. Alors, tapis de jeu, ça voulait dire que bah, on puisse déplacer les éléments qui sont
sur l'image, donc on puisse venir avec la souris les glisser, déposer. Pareil un peu pour les cartes. Voilà, donc en fait, cette version-là de projet sur carte draconique, ça ne serait pas juste une carte qu'on vient retourner et découvrir, mais ça serait ben, un ensemble de peut-être toutes ces pièces. On va voir si je verrai si j'en sélectionne derrière ou si je fais une sélection, mais on va dire que le maximum, ça serait donc ce nombre de pièces-là. Ces quelques cartes aussi qui seraient posées donc exactement comme on l'a dans l'image en fait, et qu'on puisse venir ben, les déplacer. Alors les déplacer, c'est la première idée. C'est peut-être que la première marche, la première étape de ce projet-là, enfin de cette tapis de jeu, je ne sais pas encore trop vraiment comment l'appeler pour l'instant. Mais voilà l'idée. Donc j'ai trouvé que c'était suffisamment intéressant graphiquement pour essayer bah, d'amener une nouvelle idée dans Card. Enfin nouvelle. Il y avait déjà des choses un peu de cet ordre-là dans Card Encoding, il y avait des petites pièces comme ça qu'on pouvait déplacer, mais c'était assez anecdotique. Et un peu en second plan. Là, voilà, ça serait vraiment un élément à part entière. Alors, peut-être que ça serait rangé dans la collection de cartes. Et donc, ça serait peut-être par la carte centrale que vous avez au milieu, là, en jaune, sur lequel, bah, quand on viendra rentrer dans la page, bah, en fait, on découvrira qu'il y a un tapis de jeu qui va avec. J'aimais bien l'idée, donc je pense qu'on bah, on va aller vers cette version-là. Voilà, donc, des pièces de jeu, des cartes, et essayer de faire une page web. Donc, dans une page web, puisque pour Cards Encoding, c'est un site web, et de trouver voilà, une manière de faire cette partie d'interaction avec les éléments qu'on a sous les yeux. Donc, ça c'est pour le concept. Alors techniquement, ça veut dire que on a cette image-là sous les yeux, et le procédé serait de détourer toutes les pièces. L'ombre ne serait pas conservée. Je détourerai sans l'ombre. L'ombre serait ajoutée après en code. Et ensuite, qu'on puisse utiliser un framework de drag and drop qui va nous faire toute la base de départ du glisser-déposer. Et ensuite, ben, on va expérimenter à partir de ça pour voir quelles petites règles on pourrait inventer en plus. Est-ce que toutes les pièces sont sur les mêmes typologies d'interaction et ainsi de suite. Voilà. Alors, je pense pas qu'on puisse faire tout ça dans le live là d'une heure, 1h30, mais au moins, bah, écoutez, le démarrage, peut-être un peu déjà du drag and drop, bon, ça je pense que oui, et voilà, et commencer à détourer peut-être une ou deux pièces, et voilà, voir un peu déjà le feeling du projet, et si ça semble intéressant, et surtout faisable comme je le souhaite, comme je l'ai en tête pour l'instant. Dans les inspirations, et ça j'y suis tombé très 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 dernièrement parce que je connaissais pas du tout ce projet, il s'appelle Arc, c'est un navigateur qui est en train de sortir, qui n'est pas encore accessible publiquement, il faut s'inscrire. Voilà, bon, ça a l'air très intéressant, mais je ne l'ai pas encore. Mais leur site internet a cette rubrique là, cette section, hein, qui est en fait un peu exactement la même idée que j'essayais de vous exposer juste avant, c'est-à-dire que les éléments qui sont dans la page ici peuvent être déplacés, voilà, par le drag and drop que voici, donc en glisser-déposer. Hop. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Alors, il y a plusieurs idées, enfin, il y a deux idées que je trouve bien, le glisser-déposer, mais ça, c'est ce sur quoi on va se pencher juste après. Après, il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est quand je maintiens appuyé le clic gauche, donc sur le carré, enfin sur le rectangle plutôt rose avec les sortes de formes rouges dessus, là en haut à gauche, donc celui-là, quand je viens appuyer, ça le réduit, et donc ça joue sur la perspective comme si on venait un peu l'appuyer, et quand je le déplace, il grossit. Et quand je le relâche, il a bah, son échelle 1, voilà, sa taille initiale. On voit aussi que l'ombre est générée voilà, par le code. Voilà. Donc là, quand j'appuie, on voit qu'il y a cet effet vraiment de un petit peu de physique dessus qui vient résister d'une certaine manière, avec lequel on a l'impression vraiment d'avoir le plan, cette fameuse idée de tapis de jeu, de table, en tout cas de plan. Et quand je le déplace, il vient grossir.
Alors, c'est un peu compliqué quand c'est un élément qui est assez gros. Ça, par contre, je trouve que ça marche pas très bien sur le cadre. Ou en tout cas, le scale quand on déplace est vraiment trop gros. Bah, je trouve. Mais voire même un peu sur tous les éléments aussi. Enfin, par rapport à ce que j'ai en tête, là sur le projet ça marche bien, mais bon, je pense que je vais pas chercher à faire quelque chose d'aussi différent entre l'appui et le glisser. Mais par contre, de le tester, ça me quelque chose qui me plaît bien. Parce que encore une fois, bah, on a cette idée de volume, mais qu'il faut qu'on conserve aussi dans les interactions. Et je pense que comment dire? La question là de déplacement avec l'agrandissement et l'appui, cette question d'échelle, elle va être assez chouette. Voilà, bon, c'était pour vous montrer aussi cette référence-là, que je viens vraiment juste de tomber dessus, je connaissais pas du tout ce projet. Ça fait 2 jours voilà, que je connais, je me suis inscrit, je n'ai pas encore le navigateur. Voilà, mais en tout cas, le site m'a intéressé. Donc ça, c'est notre image. On va voir juste après un peu comment... On va détourer, faut détourer, ça va pas être. Enfin, si, ça peut être un peu compliqué d'ailleurs. D'ailleurs, on va voir un peu comment je vais faire parce que il me semblait que j'avais upscale sur Midjourney et je sais pas trop quelle version c'est d'image. On va voir si ça passe. Je pense que ça ira. Après, on va faire ça avec Photopea. On va essayer de voir. Le détourage a pas l'air très compliqué, c'est pas trop ma spécialité. Voilà, mais on devrait s'en sortir. On va travailler sur glitch.com. Voilà, sur cette page-là, canva-drag-n-drop.glitch.me. Et on va expérimenter ces idées-là directement dans la page, comme ça. Bon, voilà, ce sera vraiment le plus simple. Puis après, comme un peu à chaque fois d'ailleurs, si vous avez déjà suivi d'autres lives. Ensuite, je récupère tout ça sur VS Code et je réintègre dans Cards Encoding point clic. Voilà, mais je passe les détails d'intégration qui sont pas particulièrement palpitants dans l'actuel site. Là, on va plutôt commencer le processus de création initial. Alors, il existe plusieurs solutions actuellement. J'en ai essayé plusieurs, certaines sont assez efficaces, d'autres fonctionnent pas forcément très très bien pour le glisser-déposer. Alors il va y avoir une question qu'on va pas prendre en compte aujourd'hui, mais sur laquelle je vais devoir me pencher, c'est comment je pourrais dire, le mobile, le responsive. Alors sur un Canva, le framework s'appelle Canva, mais je voulais dire sur le tapis comme ça du projet, donc. En imaginant qu'on est dans la page web, ça va être assez compliqué de porter ça sur le mobile. Alors on va voir. Je pense que sur le téléphone, il n'y aura que très peu de pièces. Ça me semble être la seule option techniquement qui ne devienne pas d'une énorme complexité. Donc je pense qu'il y aura beaucoup moins de choses sur le téléphone. Bon, on s'y penchera pas aujourd'hui, mais il va falloir quand même que je le garde en tête. Alors on va utiliser Canva. Que j'avais utilisé il y a très longtemps, que j'avais oublié et que j'ai retrouvé en faisant des recherches pour préparer ce live. Voilà, qui est une librairie HTML5 2D, Canva. Donc ça va nous permettre de faire du drag and drop, si on en croit la démo. Voilà, on prend un élément, on le déplace. Alors ils ont même des fonctionnalités... d'agrandissement, de réduction, de rotation. Alors on voit que là il y a un petit effet qui est lié au scale quand je lâche, qu'il le diminue. Voilà. Donc je pense que l'effet qu'on a vu sur le site du navigateur Arc devrait être réalisable. Voilà, ils ont plein de sites d'exemples qui sont, enfin, de sites qui utilisent leur librairie. Et voilà, si on rentre dans la documentation, on peut faire a priori pas mal de choses. Alors, j'ai regardé la documentation, mais on va dire que je l'ai plutôt survolée. Donc voilà, le début va être vraiment de la configuration. Je me suis juste assuré que ça avait l'air de pouvoir faire ce que je voulais. Voilà, il y a toujours une possibilité que ça soit pas aussi
comment dire, aussi efficace que ce que j'aurais souhaité, mais j'ai l'impression que ça devrait le faire. Donc on va quand même partir dessus et on verra après. On se fera comment dire, une conclusion à partir de ce qu'on aura testé là dans le live. Alors, déjà, bon, alors il y a beaucoup de choses, hein, vous voyez, on peut effectivement dessiner des formes, utiliser des images. Voilà. Ce qui m'intéresse tout de suite et en premier, c'est le drag and drop. Alors, là, on voit que bah, le rectangle qui est dessiné, alors il a une bordure, il a une couleur, et surtout, donc, en HTML et en CSS. Donc, on vient relier. Attendez, il y avait peut-être un intro. D'accord, on a juste à relier le script. Alors, du coup. Bah pour tester, on va déjà réaliser ce petit projet-là, enfin ce petit exemple, pour avoir la base du drag and drop. Alors, je prends le script. TikTok. Voilà, on vient l'ajouter. Le style du body, hein. Donc pas de margin, zéro padding, overflow hidden et le background color. Ça, moi, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'avais à peu près la même chose. Ça, c'est la couleur de fond sur Card Encoding, donc je vais la laisser. Alors, du coup, il y a un conte, enfin, y a un div avec un identifiant container qui, lui, donc, va avoir toute la largeur et la hauteur. De la window. Ok. Bon, on va faire un copier-coller. J'ai l'impression que ça a vraiment pas l'air très compliqué. On met le container et le script juste en dessous. On va la ramener sur Glitch et on va le lire. Voilà. Bon, ok. Quand les choses marchent aussi rapidement, c'est que. Très certainement, on n'est pas trop mal. Donc, largeur, hauteur, ça c'est la bonne chose. Donc, le container, très bien. Donc, si je lis. Bon, il faudra que je refasse des allers-retours avec la doc, hein, parce que je ne le connais pas de tête de façon à travailler directement comme ça, mais on a la doc. Et je pense que du coup, on devrait s'en sortir aussi bien. Donc, le rectangle en X et en Y, il a une position. Il a ensuite les positions, largeur, hauteur, couleur de fond, couleur de ligne, épaisseur de ligne, et il est draggable, donc il est déplaçable. On a des cursor styling, donc on a un pointer quand on est en hover, et ensuite quand on ressort de la box, ok, mouse out, et ben le curseur reprend bah, son style par défaut. Ok. Layer add, on rajoute la box, d'accord, et le layer, stage add layer. Alors, stage layer add box. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Conva, c'est un layer aussi, d'accord. Il y a un stage, d'accord, et un layer. Le stage, donc, ça doit être la zone. Donc qui est lié au container. Ok. Et le layer, ça veut dire que c'est. Alors, le layer. Bah c'est dans lequel on met un élément. Si je comprends bien. Ça, c'est toute la zone. Et ça, c'est un layer dans lequel il y a la box, qui est donc ce rectangle. Ouais, ok. Bon. Alors. Ah bien. Bon, bah, première étape, valider. Alors, pour essayer d'être un petit peu efficace, l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir déplacer ces différents éléments. Alors, après, je crois avoir vu qu'on pouvait faire quand même pas mal de petites choses. Avec la doc. Alors là, c'est des snap, shape precise snapping. Ok. Je crois que c'est pas ça que je cherchais.
Styling. Ok, donc on peut. Je sais pas si ça va avoir un intérêt. Bah non, je crois pas, hein. Parce que nous, par rapport aux images, on n'a pas forcément envie de les déformer. Est-ce qu'on pourrait avoir envie de les dé... de les tourner? Je ne sais pas. En vérité, peut-être. Ça peut peut-être être rigolo. Je vois pas trop encore où est cette possibilité-là. Ah, c'est le Transformer. Ok. Border Dash. Ouais, d'accord, c'est là. Alors, je sais pas après si on peut avoir que, par exemple, cette poignée et pas les autres. Pour ça sera une question pour plus tard. Center Scaling. D'accord. Ok. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est pas très grave. En vérité, peut-être que ce qui serait plus malin, étant donné cet effet, que je trouve quand même assez intéressant et qui va quand même beaucoup jouer sur le feeling final, c'est de peut-être s'y attacher maintenant, sachant qu'après, bah, l'idée, ça va être d'appliquer ça à une image, puis ensuite à bah, un peu toutes les images, et puis de voir qu'est-ce que ça peut donner, même si là, on va pas faire toutes les images. Donc, là, il va falloir qu'on arrive à identifier. Parce que là, c'est quand on est en survol. Et quand on est au-dessus du rectangle et quand on sort. D'accord. Ce qui ne correspond pas donc au déplacement du drag and drop. Alors. Voilà. Les drag events. Ouais, alors ça doit déjà, ça je pense que ça va déjà être quelque chose de très intéressant pour nous. C'est-à-dire que les événements qu'on va pouvoir déclencher lors des drag start, drag move, drag end. Alors, drag start, ce qui je pense veut dire, c'est quand on commence à déplacer l'élément. Drag move. Ben, j'en sais rien. Parce que là, j'ai que drag end, drag start. D'accord. Donc sûrement qu'on peut jouer déjà quand même avec ces deux points-là. Donc là, il y a le texte. Ah oui, il y avait un texte, je suis bête dans la. Ok. La box, c'est ce qu'on a déjà. Et là, ça écrit le message drag start, drag end. Ok. Bon, alors ce qu'on sait, nous, c'est que on a finalement pas la même chose. Box on. Donc on a drag start et drag end. Et nous, on a mouse over et mouse out. Donc je pense que il faut tout simplement qu'on rajoute ceci. Voilà. De façon à. Oula. Oh, d'accord. J'ai tout cassé. Donc là, j'arrive pas à lâcher la boîte. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La stage layer. C'était pas box. Attendez, box, box, box. Oh, mais pourquoi ça. Ok, alors là ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il reste. Pourquoi est-ce qu'il reste sur ma souris? Alors, width, stage, container, width 8. Donc là. Ah zut. On a le texte, mais ça on s'en fiche. Var box, x, y. D'accord, il y a un offset. Longer stroke width draggable trou. Est-ce que c'est l'offset? Je ne sais pas. Non. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que ma souris. Donc, add text, mais nous on n'a pas besoin du texte. Layer add box. Layer add box et stage add layer. Ben, qu'est-ce qui marche pas?
que j'aurais pas. On va repartir. 2-0. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui nous intéresse vraiment. C'est juste pour configurer. Alors, on va reprendre tout ce bloc. Donc, ce qui devrait être en fait exactement la même chose. Voilà, j'ai pas pris le script. Ce qui devrait être normalement exactement la même chose, très certainement avec le texte en plus. Voilà, j'ai pas du tout compris pourquoi là ça marche. Là, ça ne marche pas. Alors, la technique du commentaire. Ah, mais d'accord, ok. Donc, c'est vraiment le texte qui a l'air de l'embêter. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on peut pas enlever le texte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors si j'enlève. En fait, si on enlève le texte, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, alors là, il y a. La fonction y est toujours, mais j'ai désactivé le texte dans le layer. Ok, bon. Bon, pas très clair ça. Ou alors je vais un peu vite et je vois pas. Texte. Il est écrit où le texte là d'ailleurs? Ah oui, d'accord, c'est le white message. Ok. Et en vrai. Voilà. Bon, ok. Admettons qu'on parte là-dessus. Qui là cette fois-ci fonctionne et avec. Les deux fonctions, dragstar, drag. Ok. Alors maintenant, ce que je veux voir, c'est les 30. Est-ce que on a la possibilité de changer la taille? Keep ratio, non, c'est pas ça. Select et transform, basic demo, filter, animation, scaling. Oh, wow. Alors. Là, il y a une question de scale. D'accord. Ah, on peut déplacer les. Ça, c'est quand même assez chouette qu'il y ait déjà tout ça dedans. Ça, c'est très cool. Bon, super, à retenir. Transform. Je pense que c'est plutôt. Je pense que c'est plutôt simple. En vérité. Ah oui, on peut faire aussi la même chose avec des sprites. Oh, ok. On peut faire quand même beaucoup de choses. Alors, mais pour l'instant, pas ce que je veux. Enfin, si, mais. Alors, je crois, voilà, on va peut-être aller voir du côté des démos, qui était quelque chose qui avait l'air super intéressant. Alors, ça, c'est une idée que je trouvais intéressante, une espèce de petit jeu un peu pour enfants. Mais ce que je trouve assez chouette, c'est que par rapport à nous, ça peut être l'idée de départ, c'est qu'il y ait plusieurs pièces comme ça. Alors, ça peut être, encore une fois, c'est assez simple, mais ça peut peut-être avoir un intérêt. Et que du coup, bah, si on place une forme sur un contour comme ça, sur une espèce de contreforme,
et que c'est pas la bonne, bah, il se passe rien. Et que si c'est la bonne, ça vient se snap dessus. Toc. Voilà. Et il y a quelque chose qui se passe à la fin. Ça, c'est un super modèle qu'on va garder parce que ça peut être assez intéressant pour nous à expérimenter. Peut-être que ça sera déjà dans quelques temps si on tant qu'on arrive à comprendre ça. Alors, j'essaye de reprendre un peu par rapport au titre. Connected Object, ça aussi c'est assez beau. Strange. Alors, Manual Image. Ouais. Ok. Ouais, là, c'est vraiment une déformation. En même temps qu'un scale. D'accord. Collision de détection, ce qui peut être aussi très intéressant. Elasticstar. Ah ben voilà. Oh bah voilà. Ben je ne savais pas que c'était dans cet exemple-là. Ah voilà, là on a quelque chose qui est quand même assez intéressant. C'est donc l'ombre qui vient rester sous l'objet, voilà, qui vient se dessiner un peu plus nettement. La forme qui scale un peu et qui a ce petit effet de rebond. Allez, et ben c'est parti. On va essayer d'adapter ça avec notre petit carré. En vérité, ça devrait pas être trop dur pour le refaire sur l'image ensuite d'un de nos petits éléments. Alors, si je comprends bien. Alors, est-ce que tout ça, on en a besoin? Le container. Non, parce que je pense que là, c'est le random qui est utilisé pour les stars, donc les étoiles. Ouais, c'est ça. Bon, alors tout le début, donc, il y a quand même pas mal de choses à la fin. Le twin, ah oui, parce que c'est quand même une animation. Alors attendez, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Ah non, tout ça c'est déjà dans la librairie Canva, donc on n'appelle rien d'autre. Ok, donc ça c'est bon. Alors, bind stage handlers. Var layer, Canva layer. Ok, alors, je pense que là. Donc le Canva layer, nous c'est layer. Et eux ici c'est drag layer. Ça, je pense qu'on va y arriver. Ce que je veux essayer de comprendre, c'est est-ce que tout ceci. Et quelque chose qu'on peut utiliser tel quel. Shape. En fait, shape, je sais pas trop ce que c'est. Bah, shape, ça doit sûrement être la forme. Est-ce que c'est l'étoile ou c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, nous? Je ne sais pas. Alors, après le stage add. On va essayer d'utiliser d'accord, je pense que ça ne marche plus. Alors, stage, c'est quoi chez eux? Donc là, peut-être que ça, on va le laisser. Alors, stage.on. Alors, stage, c'est quoi? Stage, c'est. On l'a vu ça tout à l'heure. Oui, var stage égale new canvas stage. Nous, on a stage. C'est ça.
Shape. Attendez, Shape. Alors voilà, c'est Shape qu'il faut qu'on voit à quoi ça correspond. Ah, var twin égale nul. Oui, ça c'est quelque chose qui va être important pour nous aussi. Ça marche plus. Très bien, très bien. Ça a été bien quand même que on arrive à utiliser ceci. Shape, c'est shape, shape, shape. Qu'est-ce que... Pourtant, c'est pas star. Donc j'arrive. Je vois pas. Stage on. Stage on. Est-ce que nous, on n'aurait pas une box à la place ici, non? Bon, alors on va faire un peu autrement. On va essayer de décortiquer autrement. Bon, alors, ouais, ça c'était l'intention d'avoir. Bon, alors on a ça, qui est quand même clairement exactement ce qu'on veut faire. Ça serait vraiment très très chouette. Bon, on va l'ouvrir dans un autre onglet. On va, dans ces cas-là, essayer quand même de s'approcher non, tutorials. Et on va essayer de faire un drag and drop image. Drag and image. Voilà. Ok. Bon. Alors, il faudrait qu'on parte de ça maintenant. Donc, on est reparti. On retourne en arrière. Désolé. C'était surtout que ça m'a permis de voir effectivement que l'exemple existait. Donc, comme il existe. Voilà. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est essayer d'avoir quand même un petit truc. Hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre peut-être lui, que je trouve assez beau. Voilà, hop, mon écran est tout sale. Tout, 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 tout. Voilà, ce petit jeton. Alors, oh, waouh, je suis vraiment pas du tout calé. Ah ouais, voilà, c'est très crénelé. Est-ce que si on fait une sorte d'ellipse, genre ça, bon, on est encore dans l'expérimentation de l'exemple. Hein, s'il faut nettoyer après des assets, alors on va inverser, on va effacer. Oups là, ouais, on s'en fiche. Voilà et on va changer la zone.
C'est peut-être un petit peu grand. Pas grand-chose. Voilà. Ok, allez, on crop. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on va utiliser. On l'exporte en PNG. On va appeler ça. Oula, P6.1. En PNG. Et on save. Allez. On ajoute l'asset. Elle est là. On copie l'URL. Et on la change. Et là, on voit ce qui se passe. Intéressant. Oui. Eh bien, effectivement, c'est là. 101 par 103. On n'a pas fait un carré. 101 par 103. Voilà. Bon, très bien. J'ai un peu l'impression qu'on est moins loin de l'objectif que tout à l'heure. Voilà. C'est très abstrait. Voilà. Un petit bouton dans une page. Voilà, il y a le feeling quand même. Enfin, il y a le feeling. Disons qu'il y a l'idée. Alors, bah voilà. Bon, bah avec l'image, c'était pas très compliqué. J'aimerais bien quand même arriver. Start scale. Mouse down, shape move, shape EVT point target, shape move to on mouse down. Alors, oui, il y a l'ombre aussi. Ah oui. Scale XY. Mais ça, je l'ai pas pris tout à l'heure. Ah, ça se trouve, j'étais pas très loin. Alors, dans l'étoile, dans une étoile, il y a le start scale, scale. Ah, ouais, d'accord. Start scale. Bon, ok. Alors, dans. Est-ce que nous on a une var image? Ah oui, c'était Darth Vader. Oh, super. PIS01. Darth Vader image, il est utilisé où? Ici. On va l'appeler PIS01. On va changer tout ça. Voilà, PIS01. Yes. 01. Très bien. Ok. Bon. Alors, c'est image objet. Ok, d'accord. C'est ça qui va relier à la SRC, la source. Très bien. XY stage. Alors, bon, ça, on va le fermer. Fill, opacity, draggable, trou. Draggable, trou. Ok. Alors. On va déjà rajouter le scale, rotation. Ah oui, parce que du coup, les éléments, ils ont une rotation aléatoire. D'accord, de façon à ce qu'ils ne soient pas tous orientés de la même manière. Ça, c'est très bien. Ok, mais nous, on n'en a pas besoin. D'accord. Alors là, le scale. D'accord. On va rajouter aussi la shadow juste après. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on aura rajouté. Voilà.
Layer add start. Layer add piece 1, donc nous on l'a aussi. Alors, ah oui, on va essayer de garder la var twin égale nulle que je n'avais pas. Bah si, que j'avais mis tout à l'heure, je crois, au final. Enfin, ça marchait pas quand même. Alors, là, je pense qu'on voit plus l'image parce que. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû changer la scale. X et Y. Est-ce qu'on le réutilise scale après? Start scale, mais ça c'était. Scale X, scale Y. Et ça, c'est sûrement pour avoir. Scale X. Ouais, d'accord. On va le garder. Alors. Essayer de reprendre tout ça jusqu'à Twin Play. Donc probablement après l'image. Ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ça serait le scale qui. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué. Pour pas grand-chose. Enfin, si, non, pour pas grand-chose, j'en sais rien. On repart en arrière. Ce qui marche pas. Ah, la shadow. Ça non plus? D'accord. Par exemple, là. Mais alors après, peut-être aussi que l'ombre ne marche que si on est sur une shape. Ah ouais, d'accord, parce que c'est une shape qui est dessinée avec le. J'ai l'impression qu'on ne peut pas rajouter l'ombre. Ok. Shadow blur. Ah si, d'accord. Ok. Ah si, shadow offset. Shadow opacity. Ah, ok, d'accord. Bon, l'ombre, on a compris. C'est qu'en fait, du coup, cette animation-là, elle est assez chouette parce qu'elle anime aussi la. Comment? L'ombre, en fait. Fait, ce serait vraiment cet exemple-là, mais avec des images. Au moins une. Layer add start. Layer. Non, start, pardon, ouais. Et start scale scale. Start scale. Qu'est-ce que c'est? C'est égal à scale. Et scale. Ça, je pense que c'est que le positionnement aléatoire et de rotation des étoiles. J'imagine. Ok, alors.
Mouse down, on va essayer de décomposer. Ouais, d'accord. Quand on appuie, ça agrandit. Alors, on va quand même. Alors, continuons les recherches. Peut-être que s'il y avait eu quelque chose d'encore plus simple. Connecter des objets. C'est quoi ça? D'accord, c'est assez chouette. Responsive case stage. Ok. Touch gesture. D'accord, ça c'est ce qui va permettre. Oh wow. Ah, mais d'accord. Ça veut dire qu'on pourra aussi s'amuser sur le téléphone. C'est super. Ah, là aussi ça va être assez sympa. D'accord, multi-touch. Ben, je pense que j'ai pas trop d'autres exemples. Image border. Là aussi, il y a shape point. Canvas ou PDF, qu'est-ce que c'est que ce truc? Save as PDF. Oh wow. C'est incroyable. On peut enregistrer en PDF. C'est un truc qui fait. C'est ça fait du drag and drop et ça fait tout en fait. Wow, on peut faire avec la molette de la souris. Très très bien. Bah, on aura quand même regardé un peu tout. Alors. Voilà, on va aller là-dedans. Bon. Stage on, mouse down, fonction. Alors. Essayons de comprendre la base de la chose. Si je reprends ceci, mais je sais pas si ça s'écrit comme ça.
Pas du tout. Pas du tout. Ouais, mais ça, c'est le scale avec le corps. Ah mais non, mais c'est la même chose que ce que j'ai pris là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Stage 1. Le mouse down, le archer. Mais en fait... Ah oui, d'accord, c'était ce que j'avais déjà pris de là. Oh là là, d'accord. Je crois qu'il y a quelque chose que j'ai pas assimilé, c'est shape en fait. Dans l'exemple, c'est quoi shape? C'est ça en fait, add star. Shape en fait c'est la c'est l'étoile qui est dessinée mais nous pourtant si c'est ça de var shape vt.target d'accord ok. C'est ça qui, ouais voilà, ouais, c'est ça qui ne marchait plus. Ah, c'est pas facile cette. Cet exemple-là. Enfin, à part si je veux pas faire exactement la même chose, bien sûr. Parce que le drag and drop event. Non, c'est pas ça. Attendez, tutorials. C'était ça qu'on avait vu. Drag stage, simple drag bounce. Là, elles ont un identifiant alors, d'accord. Et tout ça, encore une fois, c'est pas des images, c'est généré directement, d'accord. Ah ok, ça peut gérer aussi les images. Oh waouh. Dire drag events, ok. Ça c'était l'exemple qui marchait que si on laissait le texte. Très très chelou ça aussi. Ah, je sais. Essayons de l'appliquer. Essayons de l'appliquer à l'image. Donc ça par contre. D'accord. Alors, admettons qu'on ait envie d'écrire le texte comme eux. Voilà. Ça c'était dans le truc de tout à l'heure. Alors, admettons qu'on ait envie d'écrire le texte quand on le déplace. L'élément. Donc, on va prendre le texte. Très bien.
bien. Et ensuite, on va add le texte dans le layer. Ces parenthèses. Ah oui, d'accord, là en fait on est dans une fonction qui englobe toutes Ah ouais. C'est obligatoire ça. J'imagine. D'accord. Voilà, le texte n'est pas visible. Il y avait quelque chose que j'ai pas mis. Ah oui, mais d'accord. Ça, je l'ai pas pris en fait. Si. Sinon, sinon. Ah si, je l'ai mis, je l'ai pris. Attendez, il y a... Oh, pom, 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 inspecter. Layer is not defined, d'accord. Ligne 83. Ok. Bon, alors le texte, ça... si. Qu'est-ce que je fais? C'est celui-là en fait que je vais enlever. L'exemple avec l'image, en fait, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Si les pièces étaient directement dessinées en code, je pense que ça serait déjà mais réglé depuis longtemps. Alors déjà, c'est pas box déjà. Ah, mais c'est peut-être ça aussi le problème. Oh, attendez, 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 j'ai peut-être été trop vite. Voilà. Box chez nous, c'était quoi? Ah oui, c'est le rectangle. Oui, d'accord. Alors, est-ce que c'est ça pour nous? Est-ce que c'est pièce, pièce 01? J'ai aucune idée. D'accord. Layer is not defined, ça c'est encore le cas. Ça veut dire qu'en fait ici, il n'arrive pas à le... quelque chose à faire là aussi. Ouais, ok, là ça bug. Bon, de toute façon, le texte, on s'en fiche. C'est pas vraiment ce qu'on veut, mais en même temps, ça aurait été bien d'avoir un retour. Ce qu'on fait, et ça c'est un petit peu dommage. Pour moi, ça c'est bon parce que en fait on est dans le bord pièce 1 on, là on a mouse et là on a drag. Si on arrivait à écrire
shape. Wow. Alors, le redimensionnement des images, ça y en a vraiment. Bien sûr, on n'a pas. On peut pas tout demander, hein. On n'a pas d'exemple avec un scale d'image. Expand image on over. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Ah, bah attends, en vrai, c'est pas si mal. Beaucoup plus simple, mais admettons qu'on comprenne déjà ça. Là en fait, ah oui, d'accord. Beaucoup de choses là, peut-être que c'est ça en fait qui va nous aider à nous en sortir. Et eh ben, je crois qu'on n'ira pas très très loin encore aujourd'hui, si ce n'est qu'on aura des... on aura démarré. En vrai, si ça marche, on pourrait essayer avec une carte, mais bon, ne nous avançons pas trop vite. Alors là, si je comprends bien, il y a un X et un Y. Avec quoi je vais repartir exactement de ça en prenant mon image badaboum. Alors, l'objet 2, on va l'enlever pour l'instant. Donc ça c'est c'était donc ben Yoda. Ah non, 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 non. Oui, si. C'est Darth Vader qu'on va garder. Donc elle, ça sera bien pièce 01. On va changer. En vérité, je pourrais le laisser, comme ça je me prendrai moins la tête si ça marche tout de suite. Mais bon. Là où j'ai mis Darth Vader. Ok, d'accord. Ah, l'asset, l'URL. Hey. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais attendez. C'est là que ça va pas. Donc on avait dit 101, 103 si je dis pas de bêtises. Ah oui, qu'est-ce que je fais? 101, 103. Ah, ben voilà. D'accord. Bon. Voilà. C'est sûr que clairement, c'est pas... La fluidité, c'est pas du tout la fluidité des images avec les étoiles. Voilà, ça c'est sûr. Mais enfin, ça nous fait rentrer un petit peu quand même dans la compréhension de cet effet. Et surtout, on a enfin la bonne logique. Ah oui, ça c'est la position de départ. Ouais, d'accord, c'est ça.
c'est où le scale? Ah ouais, d'accord, bah voilà, shape.scale y. Ah, mais peut-être que... Ah ouais, d'accord, peut-être que j'étais pas très loin. 1.1, 1.2, c'est peut-être beaucoup. On va peut-être faire 1.1. Ok, ça c'était bien, ça c'est super. Je voudrais revenir. Bon, clairement, on n'aura pas le temps de faire ça. Mais ça sera pour la prochaine fois. Je voudrais voir ce que ça donne avec l'ombre. Que maintenant on s'est normalement rajouté. C'est pas mal. Je ne sais pas si cette animation... Shape.set, if twin, twin pose, d'accord. Bon, ça risque d'être encore un petit peu compliqué. Mais bon, déjà, image en over, c'était pas si mal. Bon, alors. On va faire un nouveau fichier. Alors, est-ce que je vais réussir à faire le lien markdown du premier coup? Oui! Entre les crochets et les parenthèses. Alors, celui-là, il est important. Celui-là, il était important. Je les sauvegarde. Hein, parce que comme ça... Voilà. Ça, je les retrouverai dans le projet directement. Et bien, peut-être qu'avant de se quitter... On pourrait, ben voilà, par exemple, ramener une carte qui serait quand même assez chouette. Est-ce que je peux faire un bord arrondi? Oh, aïe, 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 aïe. Je peux pas arrondir les bords de ce truc. Select. What? Non, c'était bien ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je pouvais, mais encore une fois. Je ne sais pas trop. Ah mais non, 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 c'est pas ça. Select, modify. Border. Wow. C'était vraiment éclaté ce truc. C'est 12. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est l'enfer ce truc.
Est-ce que je vais y arriver, vous pensez? Mais pourquoi il me fait une sélection à l'intérieur? Oh, mais c'est horrible, quoi. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, mais en vrai. Oh! Remove background? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi il n'a gardé que celle-là? Parce qu'en vrai, bah, on va prendre ça, hein. Dans ces cas-là. Oh, c'était bien pratique, ça. C'est dommage, c'était pas celle-là que je voulais. Allez, en vrai, si. Bon, et ben j'aurai un peu de travail. J'aurai un peu de travail sur le détourage et la création des petites pièces. Donc ça faudra que je me prenne du temps pour le faire. Allez, parce que là. Du coup, je galère quand même pas mal avec ce truc de détourage. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, crop. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Bon sang, mais la retouche photo, hein, c'est pas du tout mon. C'est pas du tout ma spécialité, quoi. Voilà. Ouais, au moins on le sait. Alors, export, PNG. Yes, 02, on save. Allez, on termine. Donc, si j'ai bien compris, on va garder, oui, on va garder la référence Yoda ici. Ici, on va enlever. Voilà. Allez, et ben du coup, 144, 233, 144, 233. Et bien voilà. Après une petite bataille assez intense avec cet effet. Ah! Ah oui, alors il doit y avoir. Alors, lui il était à combien? Ah, c'est 1.1. Est-ce qu'on peut faire 0.5? Bon, il y a un flou. Ok. Petit test. D'accord. Alors, est-ce que Yoda, qui est donc la carte, étant ici, ça veut dire qu'elle est au-dessus? Eh bien, écoutez, certainement. Voilà, ouais, d'accord. C'était juste une question d'ordre. On va faire un prettier. Pour nettoyer tout le code. Et voilà. Bon. Eh bien. Voilà, on n'est pas encore sur le niveau d'interaction finale qu'on souhaite avec l'effet. C'est surtout l'effet en fait, hein, qui est très long, c'est ce que je me rends compte. Parce que. Bah écoutez, la librairie. La librairie Canva marche très bien. Pense que on va rester sur ce. Je vais quand même continuer parce que franchement, voilà. Donc là, on aura bah, l'interface de cards encoding, le footer,
tout ce qui va. Et donc, on aura cette page avec les éléments qui seront à l'intérieur. J'aimerais réaliser à faire l'effet un peu smooth quand on déplace, qu'on agrandit avec l'effet qui arrive aussi quand on relâche la pièce. Ça, c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien. Ce flou est un petit peu casse-pied. Voilà. Bon, ça aussi. Et à la fin... mais d'ailleurs, on va le mettre dans la doc. Dans les démos. Voilà. Est-ce que... on garde cette idée pour la fin, c'est-à-dire d'avoir un mini-jeu, voilà, de placement, de forme et de contre-forme. Je sais pas trop si ça va avoir du sens. Après, j'aime bien ce côté un peu plateau simple comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de but, mais il y aura... il n'y aura que du déplacement. Ça peut être assez intéressant. Sans Cards & Coding n'est pas un site de jeu, hein. C'est un site d'interaction et de collection, manipulation. Donc ça reste assez cohérent avec la ligne du site. Allez, je termine avec la même config d'ombre pour la carte. Et puis voilà. Voilà. Ouais, si on la marque un peu plus, c'est peut-être plus sympa. Voilà. Et voilà. Voilà le résultat. Voilà. Écoutez, c'est pas mal. Voilà. On a le début de notre tapis de jeu et on va voir jusqu'où ça nous mène avec toutes ces petites pièces, peut-être aussi conserver la bonne échelle, je crois que je suis un petit peu trop grand. Voilà. Du détourage aussi. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve pour un prochain live, très certainement le mois prochain, et d'ici là, j'aurai pu aussi un petit peu avancer. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir comment avance le projet. À la prochaine.